Alors Mohamed Bajrafil, comment chemine-t-on vers Dieu? Alors, vous avez évoqué différentes dimensions, la connaissance préalable de Dieu, qui peut s'acquérir de différentes façons. Je pense qu'il n'y a pas une voie unique. Vous avez aussi abordé les différentes natures humaines, le fait de passer par la connaissance de l'homme, finalement, là-dessus. Comment peut-on savoir que nous sommes proches de Dieu ou que nous sommes éloignés de lui? Peut-on être conscient de ça quand on est dans une démarche, même dans une démarche spirituelle? Chez les savants qui ont travaillé sur justement At-Tariq ila Allah, il y a une notion assez importante qui est la notion de ce qu'ils appellent Al-Fana ou Al-Baqa, qui pourrait être traduit de manière triviale par extinction et apparition, ou plutôt le fait de demeurer. Elfana, comment tu disparais? Tu disparais dans le mal pour apparaître dans le bien. L'ego? Non, justement. Non. D'accord. C'est que tu disparais dans le mal, comme le dit Al-Imam Al-Qushayri, Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya également dans Ma'arif Al-Salikin l'explique très bien. Tu disparais dans le mal, c'est-à-dire que tu effaces en toi les mauvaises caractéristiques ou les mauvais qualificatifs. Inspiré par l'âme, entre autres. Et ensuite, tu apparais, celui qui disparaît dans le mal apparaît nécessairement dans le bien. Parce que le mal et le bien sont en quelque sorte mélangés. Et Al-Ghazal, il le dit très bien. Il dit, en fait, quand tu vois l'homme, tu vois qu'il est soit démoniaque, soit il est humain, soit il est angélique. Alors c'est assez beau à voir, mais au fond vous allez voir qu'on revient à tout ce qu'on a dit. Il dit, comment tu es démoniaque? Eh bien c'est que tu aimes le mal et tu persistes dedans, t'aimes bien le faire. Parce que Shaitan, il est dedans, il peut faire que ça. Et il dit, qu'est-ce que l'homme? Ben, l'homme c'est celui qui, au fond, fait comme son père. C'est qui son père? Adam. Adam, il a péché, et quand il a péché, il s'est repenti. Il est revenu à la source. Après s'en être éloigné, il est revenu. Ouais. Donc, il dit, Al-Ghazali utilise une très belle métaphore, parce qu'il dit, celui qui a ressemblé à son père n'est pas injuste. Tu t'inscris, justement, tu t'inscris comme humain dans le sillage de... tu t'engages dans le sentier de ton père. Parce qu'Adam a péché, quand il a péché, ça, justement ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir qu'il a désobéi à un ordre, ben, il est revenu. Et enfin, vous avez l'ange. Mais l'ange, lui, justement, qui ne peut pas faire ça. Il dit, ça ne peut pas s'atteindre avant de s'effacer, justement. Tu atteins un tel degré quand tu t'es effacé, quand tu as justement atteint un niveau où tu ne raisonnes pas en termes d'humain ou en termes de Satan, mais tu as un autre niveau où, comme disait l'imam Al-Haddad, ou l'Attas, si ma mémoire est bonne, dans un doua que nous répétions souvent quand on était jeune, dans les invocations, Allahumma salli wa sallim bi salat al-jami' ala abdika al-jami' al-kamalat al-insaniyya. À un moment donné, il demande à Dieu d'adresser au prophète salatan, un salut, yaqirru nuruha, dont la lumière se stabilisera fi ayni fala ta'si, dans mon œil, jusqu'à ce que celui-ci ne puisse pas désobéir. Et que cette lumière se stabilise dans l'oreille
à un point tel que celle-ci ne pourra pas désobéir. وَيَقِرُّ نُورُهَا فِي لِسَانِهِ فَلَا يَعْصِي. Et dont la lumière se stabilisera ou habitera la langue au point que celle-ci ne pourra rien faire qui désobéisse à Dieu. وَيَقِرُّ نُورُهَا فِي يَدِهِ فَلَا تَعْصِي. Et il énumère ainsi les organes jusqu'à dire une phrase اللَّهُمَّ أَوْصِلْنِي إِلَى حَالَةٍ لَا أَعْمَلُ فِيهَا مُخَالَفَةً. Seigneur, fais-moi atteindre un niveau, un état de piété tel que non seulement je ne ferai pas de désobéissance, mais aussi et surtout, voilà, et que ça ne m'intéresse même pas. Voilà, je n'y pense même pas. Je n'y pense même pas. Donc en fait, on se transcende, on est dans un état surhumain, au sens si on définit l'humain et la nature adamique comme le fait de pécher, de se repentir ensuite, là on est dans un cheminement où on va se transcender d'une certaine manière, par la grâce divine, on se transcende et on atteint un état surhumain. C'est le fameux surhomme d'ainsi parler Zarathoustra. Oui, sauf que lui il l'interprète différemment. Mais pas de cette manière-là, mais voilà. Disons que l'expression pourrait lui être empruntée. Très bien, Mohamed. J'ai une dernière question à vous poser pour conclure cette émission. On parle souvent du cheminement spirituel comme d'une caractéristique individuelle, une chose qui se ferait sur le plan personnel, sur le plan intime. Ne peut-on pas dire qu'il y a également dans le fait de se rapprocher de Dieu ou de cheminer vers Dieu une dimension qui serait commune, un peu plus collective, ou en tous les cas commune et donc, est-ce qu'on sait, savons-nous encore si cette dimension existe, savons-nous encore croire ensemble et vivre notre foi ensemble à notre époque qui est, comme on le sait bien, marquée par un hyper-individualisme Alors, en arabe et en français, c'est assez marrant quand on y réfléchit. En arabe et en français, et c'est marrant parce que comme les questions, vous les posez en direct, que je ne les avais pas pour que les gens comprennent comment nous travaillons, que c'est comme on dit, c'est comme spontané. Les jeunes, c'est du freestyle, comme diraient les jeunes. Il y a le terme « din » et le terme en français « religion ». Alors, « din » en arabe, c'est la racine « dn ». Et la racine « dn » se trouve en arabe être celle voulant dire plusieurs choses, dont une dette, la dette. Dont la proximité, dont le jugement. Et j'ai envie de dire, une religion n'est religion que si elle rapproche une personne d'une autre. Et quand on arrive en français, on va s'apercevoir que le terme religion peut venir de deux racines latines. Soit de la racine religiare, qui signifie relier, soit de la racine relegere, qui signifie recueillir. Et dans les deux cas, nous sommes justement dans quelque chose qui réunit et pas dans quelque chose qui désunit. Et j'ai envie de dire, une religion qui n'appelle pas à l'union, ça n'est pas une. On est en islam, en tout cas, face à des choses qui sont extrêmement importantes parce qu'elles sont collectivement faites. La prière en groupe, le jeûne, qui bien qu'individuellement observé, est observé quand même par une ambiance collective, le pèlerinage, la zakat qui lie une personne à une autre. On se rend compte que les pratiques, plus elles sont globalement faites, mieux elles sont. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que dans le Coran, on s'aperçoit que les meilleures invocations, ce sont celles que l'on fait au nom d'un groupe, mais que l'on ne fait pas tout seul. C'est-à-dire quoi? Quand vous prenez la Fatiha, par exemple, qui est le liminaire du Coran, eh bien, il aurait pu être possible, puisque c'est nous qui tout seuls lisons, que nous disions « Ihdini s-sirat al-mustaqim »« Guide-moi, moi tout seul, vers le droit chemin. » Mais on dit « Ihdini s-sirat al-mustaqim »« Iyaka na'budu » Pour dire que l'adoration, elle est collective. C'est toi que nous adorons. « Wa iyaka nasta'in » Nous tous. Et alors certains ont épilogué sur cela. Et je me rappelle que certains nushurs nous disaient que le fait de nous demander de le faire collectivement a pour but, entre autres choses, eh bien, de s'associer au meilleur. Parce qu'en s'inscrivant dans une démarche qui a été portée par des gens plus intelligents que toi, meilleurs que toi, à tout point de vue, eh bien, comme on dit,
Comme le disait Talfat ibn al-Abd, c'est justement avec qui tu es que je serai, avec qui tu traînes que je serai qui tu es. Donc on me dit, ceux-là font partie de ceux auxquels Dieu a accordé ses bienfaits, cette notion de compagnie, cette notion d'accompagnement, de proximité, bref, cette notion de collectivité est une notion fondamentale. Donc, en effet, il est très important, et aujourd'hui, de toute façon, pas plus qu'hier, hein, d'ailleurs, hein, certes, on est individualiste, mais à un moment donné, on est obligé, ne serait-ce que parce que nous faisons, de reconnaître que, comme dit un proverbe comorien, sans les autres, on n'est pas. Vous savez, dans les strates, la société comorienne, il y a des strates. Et tu commences par une strate, ou plutôt une étape dans la vie d'un homme ou d'une femme, par ce qu'on appelle l'enfant du village. C'est qui l'enfant du village? C'est celui, justement, qui est jeune, mais et qui appartient à tous, qui appartient au groupe. Et l'individu n'a de sens que parce qu'il est dans le groupe. Et à partir de l'instant où tu commences à raisonner pour toi-même, on dit d'ailleurs en comorien que quiconque a réfléchi tout seul a réfléchi avec le diable. Et un poète arabe des années 60, qui est mort dans les 1960, c'est marabout, qui s'appelait Mohamed Mustafa Hammam, disait Allamatni al-hayatu, la vie m'a appris annani, que in'ishtu li nafsi, si je vis tout seul, a'ish haqira. Je vivrai quelqu'un comment dire, d'abject, quelqu'un qui n'a pas de valeur. Mais plus je vis pour les autres, plus je vis avec les autres, eh bien, mieux je suis. Et la notion de jama'a en islam est fondamentale. Et j'en veux pour preuve le fameux hadith qui dit que, enfin, le fameux propos, Yadullahi ma'al jama'a. Qui veut dire que justement Dieu est toujours avec le groupe, ou le fameux hadith qui dit que alaykum bi sawad al-ardam fa innahu la yu'kal min al-ghanam illa al-qasiya. On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Oui, il y a énormément de propos qui nous disent, tant dans la tradition prophétique que dans le Coran, l'importance d'être en groupe. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens s'organisent autour de hobbies. Alors, tu as les fans de telles choses, qui sont eux, qui se retrouvent entre eux. Et au fond, quand on parle de Ummah, ce n'est pas plus que cela en réalité. Parce qu'il y a des gens qui te parlent de Ummah, et d'ailleurs, ça fait. Qui fantasment un peu exactement négativement d'ailleurs. Oui, la Ummah va faire. En réalité, Ouais. c'est parce que justement, ces gens-là, naturellement, j'ai envie de dire, partagent un certain nombre de choses, qu'ils se ressemblent, ils se rassemblent sur ces La choses-là. communauté, c'est ce qui. Ce sont les points Exactement, communs qui sur des points réunissent. communs. En Voilà. réalité, quelle comparaison y a-t-il entre le Comorien qui vit dans sa villa, dans son village natal, et le multimilliardaire qui est dans les tours de Riyad ou de Doha? Enfin, ils sont plus au PSG que ailleurs. Mais il y a un moment donné où, dans des occasions précises, quand il s'agit de faire le ramadan ou quand il s'agit d'aller au pèlerinage, eh bien, ces gens-là se retrouvent, mais sur d'autres, sur le business, ils se retrouveront avec Bill Gates ou je ne sais qui, avec qui ils échangent. Mais bon, on fantasme beaucoup sur cette notion de Ummah.